Inquiétude à Nyon. Vendredi 13 août, les proches de Déborah Fosse ont signalé sa disparition après avoir été sans nouvelles d'elle depuis l'après-midi, tandis qu'elle avait confié son intention de mettre fin à ses jours. Les gendarmes de Nyon lancent ainsi un appel à témoins pour retrouver cette Nyonçaise de 43 ans, tandis que cette disparition a été requalifiée en disparition inquiétante, en raison notamment des derniers mots de Déborah Fosse à sa famille. Les gendarmes la décrivent comme une femme de 1m77, aux cheveux courts roux. Une vingtaine de militaires l'ont cherchée en vain jusque tard dans la nuit vendredi 13 août. Les recherches ont repris ce samedi matin, alors qu'un chien pisteur est également attendu pour renforcer le dispositif. Les recherches se concentrent dans un rayon de 10 km autour de la commune de Ventrolles où le portable de la quadragénaire a borné après sa disparition, rapporte France Bleu. La gendarmerie attend toute information qui pourrait permettre de retrouver Déborah Fosse au 04 75.26.33.22.